Bonjour à tous et bienvenue sur Believe94. Aujourd'hui, nous sommes ici pour un tutoriel basique du genre comment ajouter une extension à votre fameux Google Chrome. Alors, Google Chrome, navigateur employé par un grand nombre d'utilisateurs d'Internet, étant donné que c'est un navigateur qui est rapide, pratique, joli, efficace, et bien d'autres encore adjectifs qui ne me viennent pas à ce moment-là. Bon, alors, tout d'abord, lorsque nous ouvrons notre fenêtre Google Chrome, nous sommes sur les sites les plus visités, généralement. Donc, nous avons ici les sites les plus visités, donc les miens, en l'occurrence. Et nous avons ici une petite barre d'action que généralement les gens ne connaissent pas. Et à côté, il y a un petit bouton « Application ». Alors, en cliquant dessus, vous avez le Web Chrome, donc Chrome Web Store. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur la page spéciale pour les utilisateurs de Chrome. Les extensions. Vous avez ici votre menu et tout en bas, une extension. Extension. Et ici, vous avez grande partie des extensions qui sont proposées par Google. Voilà. Alors, je ne les connais pas. Hein, je ne les connais pas toutes. Je vais peut-être en trouver, peut-être pour ce moment-là, juste une extension qui serait peut-être facile à utiliser, du genre, j'en avais passé une qui était pas mal, voyons voir, HTML, qu'est-ce que c'est, first website, like Amazon, YouTube, HTML5, style, ok, horloge, bon, bah, pourquoi pas, allez, on va essayer de télécharger, donc, on clique sur ajouter, à Chrome, donc vérification en cours, ajouter, quelque chose va se télécharger. Ah, dans ce cas-là, non. Alors, ben voilà, nous avons l'horloge, donc 12h. Ok. On va pas régler sur 12h la couleur, voyons voir. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, c'est la couleur de l'intervalle. Et ceci, c'est pas grave. Bon, alors, pour notre petite icône, voilà, choisi français. Et puis c'est tout. Voilà, nous avons notre extension. En cliquant dessus, nous avons l'horaire. Voilà, il n'y a pas de secret. Peut-être pour essayer autre chose. Chrome to Phone. Alors, l'extension a été ajoutée. Utilisez cette extension en cliquant sur cette icône pour gérer les extensions, machin, truc, bidule. Voilà, vous avez votre tutoriel. Connexion à Chrome to Phone. Et en fait, voilà, on accède à l'application. Après, nous avons, à part les extensions, plusieurs applications. Vous pouvez télécharger les applications Google Chrome. Exemple, Piano Theory, ajouté à Chrome. Donc là, normalement, il me semble que le programme va se télécharger. Voilà. Le programme est bel et bien en train de se télécharger. Donc une fois téléchargé, le programme va s'ajouter apparemment directement sur Google Chrome. Et voilà. Lorsque nous ouvrons un nouvel onglet, dans le menu des applications et pas les plus visitées, nous avons notre application. Et là, alors là, après chaque programme a son... Voilà, tout ça sur Google Chrome. En espérant que ce tutoriel vous ait été utile, je vous dis à très bientôt sur Believe94.